Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le guide de l'événement spécial Team Rocket dans Pokémon Go. Allez c'est parti, donc cet événement a déjà commencé et il prendra fin le 5 février à 23h59. Durant cet événement, et surtout grâce à cet événement, nous avons des nouveaux Pokémon obscurs qui arrivent dans le jeu, et il y a aussi des nouveaux Pokémon dans les œufs de 12 km. Petit rappel les amis qui est quand même important, pour avoir les œufs de 12 km, il faut battre le chef de la Team Rocket et surtout avoir de la place dans son inventaire à œufs. Et ce n'est pas tout les amis, car il y a aussi les sbires et les chefs de la Team Rocket qui ont des nouveaux Pokémon obscurs dans leur équipe. Et comme à chaque fois, si vous battez Cliff, Harlow et Syra, eh bien vous avez une chance d'avoir l'un de ces trois Pokémon obscurs en shiny. Comme bonus, nous avons la Team Rocket qui apparaît plus souvent dans les Pokéstop et dans les Montgolfières. Et le bonus que vous attendiez tous et qui est enfin disponible, c'est que vous pouvez désormais enlever l'attaque frustration de vos Pokémon obscurs en utilisant des CT chargés. Dans les Pokéstop, vous avez une quête qui vous donne des éléments mystérieux, donc tournez les Pokéstop si vous en voulez. Et maintenant, on va se concentrer sur le plus important, et c'est tout simplement la nouvelle quête spéciale Team Rocket qui vous donne un nouveau super Dark Rocket, et surtout qui vous permet de refaire un combat contre Giovanni et sa nouvelle équipe pour récupérer son nouveau Pokémon obscur qui est tout simplement Registeel obscur, et s'il vous plaît les amis, ne le purifiez surtout pas. Et faites attention, vous avez jusqu'au 1er mars à 10h pour récupérer cette nouvelle quête spéciale, car sinon vous ne l'aurez jamais. Ensuite, direction les raids, car comme vous le voyez, Registeel a pris sa place dans les raids légendaires. Si vous avez de la chance, il peut être shiny, et il a comme attaque exclusive l'attaque et les canons. Et vous avez jusqu'au 8 février à 10h pour le battre et pour le capturer. Et pour finir les amis, voici tous les Pokémon shiny que vous pouvez avoir grâce à cet événement. Et bien sûr, comme à chaque fois les amis, je vous souhaite bonne chance. Et voilà les amis, c'est finito. Si vous avez des questions ou des commentaires ou un nouveau shiny, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas le petit j'aime et nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao!